Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour laver mes cheveux avec vous. C'est étrange. Aujourd'hui, on va tester une gamme de produits pour les cheveux. Bouclés. Alors, j'ai pas vraiment les cheveux bouclés, mais j'ai remarqué quelque chose. Lorsque je lave mes cheveux et que je les laisse tranquilles, c'est-à-dire que je ne fais pas de brushing ou autre, eh bien, j'ai quand même les cheveux qui ondulent naturellement. Et j'ai remarqué une autre chose, c'est que si j'utilise des soins, des shampoings spéciales boucles, eh bien, ça entretient quand même ce phénomène et c'est plus joli. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On va commencer par la mauvaise. Aujourd'hui, on devait tester l'intégralité de la gamme Perfect Curl de chez Kruidvat, qui est un magasin néerlandais qui existe également en Belgique et qui vend des produits de dingue à petit prix. Malheureusement, j'ai le shampoing, l'après-shampoing, le soin sans rinçage de la gamme, mais j'ai pas les masques. J'ai pas le masque de la gamme Perfect Curls, donc mauvaise nouvelle, on ne pourra pas tester l'ensemble de la gamme. Je suis triste. Je suis triste parce que j'ai vu que le masque coûtait que 2,30€ en magasin et que je suis allé au magasin il y a quelques semaines pendant mes vacances. Et franchement, pour 2,30€, je l'aurais pris, bien sûr. Mais le problème, c'est que c'est vrai que pour nous, Français, c'est pas évident, hein, les Kruidvat. Il n'y en a pas à côté de chez nous et à chaque fois, c'est des kilomètres à faire pour un petit produit à 2,30€. Ça vaut pas forcément le coup. Mais vous qui êtes en Belgique et qui me suivez, je sais que vous êtes nombreux, eh bien, sachez-le, il y a également le masque. Alors, les masques de chez Kruidvat, à quoi ils ressemblent? Ah oui, parce que j'en ai reçu quand même. Il y a le Argan Oil, par exemple. Ça ressemble à ça, ça fait 300 ml. Et franchement, c'est des gros masques pour vraiment pas cher. Il y a également le Kératine Repair, qui est donc ici. Mais alors, si j'utilise ces masques-là, j'ai peur que ça lisse la fibre capillaire et que du coup, eh bien, mon envie de boucle soit anéantie à cause de ces masques. C'est pas marqué dessus que ce sont des masques lissants. Le Argan Oil, c'est un masque nutrition, douceur et brillance intense. Et le Kératine Repair, ça nourrit et répare la structure capillaire. Mais je sais que ces produits-là, parfois, ont tendance quand même à lisser les cheveux. Donc, on va oublier le masque. C'est pas très grave. Et donc, on fera shampoing après shampoing et soin sans rinçage. Et on verra si de jolies boucles se dessinent. Sachant que moi, le produit dans lequel j'ai le plus d'espoir, c'est quand même la crème boucle. C'est-à-dire le soin sans rinçage. Pourquoi? Parce que j'ai déjà essayé un produit similaire qui se vend chez Action. C'est de la marque Sunsilk. C'est le Sun Silk boucle domptée, soin sans rinçage, boucle parfaitement dessinée, technologie Curl Lock, tenue 24 heures. C'est-à-dire que ce produit-là qui se vend chez Action, qui ne coûte pas très cher, je mettrai également un lien vers ce produit dans la boîte de description où vous pourrez l'acheter un peu plus cher, mais si vous n'avez pas d'Action à côté de chez vous, vous avez quand même accès à ce produit parce qu'il se vend sur Amazon. Ce produit-là, vous le mettez dans vos cheveux après avoir lavé vos cheveux sur cheveux humides, vous ne touchez plus à vos cheveux, ça fait des belles ondulations, effet beach waves bien dessiné sans frisottis, génial. Alors, est-ce que ça c'est équivalent? Est-ce que ça c'est similaire? J'en sais rien du tout. C'est ce qu'on va tester. Également, je voulais vous préciser quelque chose. C'est bien marqué 24 heures. Donc ça vraiment, le Sun Silk, c'est pour avoir des boucles le temps d'une journée. Hein. Vous allez dormir, il n'y a plus de boucles. Hein. Est-ce que ça va durer plus longtemps? J'en sais rien. Bref, ça c'était pour la mauvaise nouvelle. J'ai pas le masque de la gamme. Mais bonne nouvelle, j'ai les mousses. J'ai les mousses. Alors c'est pas la gamme Perfect Curl, c'est la gamme Curl Bones. Mais j'ai la mousse spéciale cheveux ondulés bouclés de chez Kruidvat. Donc on va pouvoir tester la mousse une fois que mes cheveux sont secs. Pour voir si ça apporte quelque chose en plus, si ça apporte de la tenue ou de la structure. Ah bref, vous aurez compris, aujourd'hui je lave mes cheveux. C'est original. Je vais donc vous montrer l'état de mes cheveux. Alors, il s'est passé plein de choses dans mes cheveux. Déjà, je les lave vraiment pas souvent parce que je peux pas prendre de douche. En fait, je peux prendre des douches, mais il faut pas que je mouille mon dos. Donc c'est pas évident. Du coup, ils ont un petit peu comme une cure de sébum, mais à moitié, parce que je les lave quand même une à deux fois par semaine. Et j'en ai profité comme, eh bien, ils sont
plein de sébum, j'en ai profité pour remettre du soin éclaircissant. Et donc voilà l'état de mes cheveux. Là, il est temps de les laver quand même. Je me dis, oula, il est largement temps. Alors, on va commencer par le shampoing. Faut pas que je me trompe avec l'après-shampoing, c'est bien celui-là. Shampoing qui fait 500 ml. C'est des très gros flacons. C'est pour ça que je les ai pas posés là, parce qu'on va encore les voir à la caméra. Et puis après, ça me perturbe. Shampoing Creux Hydvat Perfect Curls. Cheveux pelucheux et bouclés. Au collagène, boucle souple. Le shampoing Perfect Curl de Creux Hydvat est un shampoing nourrissant avec agent anti-frisottis pour des cheveux bouclés ayant tendance à frisoter. C'est exactement ce que j'ai. Moi, des frisottis, ça par contre, j'en ai. Contient du collagène, un ingrédient intensément nourrissant pour des cheveux faciles à discipliner et des boucles flexibles bien accentuées. Appliqué sur cheveux humides et sur le cuir chevelu jusqu'à ce que le shampoing mousse bien. Ensuite, rincez abondamment. Ensuite, utilisez l'après-shampoing Perfect Curl de Creux Hydvat pour un soin supplémentaire. Évitez le contact avec les yeux. Ça m'arrange, c'est pas marqué. On parle pas de masque pour le moment. Donc, eux, ils nous disent ça, plus après-shampoing, c'est déjà pas mal. Bon, on va mouiller les cheveux comme d'habitude avec le petit pulvérisateur de chez Action. Donc, ça s'appelle Maison Calidi. C'est un désodorisant pour la maison. Puis ensuite, vous nettoyez bien l'intérieur, vous rincez bien. Et puis, vous avez un super pulvérisateur. Si vous cherchez des pulvérisateurs pour cheveux, franchement, celui-là, il est top. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il pulvérise une plus grosse quantité d'eau. Donc, pour mouiller ses cheveux, c'est bien. Voilà, donc je vais faire attention. Il ne faut pas que ça coule sur mon pansement. Oula ! Je ne vais pas mettre trop d'eau. J'en remettrai après s'il faut, Oui, là, j'ai senti que ça a coulé au mauvais endroit, là. Ouais, c'est encore un peu... Je vais quand même mettre un peu d'eau, mais ça va être du sport. Bref. Voilà. Donc, j'ai humidifié mes cheveux. Je remettrai un petit peu d'eau après, s'il faut. Et là, maintenant, eh bien, je prends donc le Perfect Curl de chez Creux Hydvat. Hop, et on va en prendre un petit peu. Pas besoin d'en prendre des tonnes. Surtout, vu le peu de cheveux qui me reste. J'aime bien frotter le shampoing dans mes mains pour le répartir. Et c'est parti, on masse. Oh, c'est agréable ça. Regardez ça, j'ai pas beaucoup mouillé mes cheveux parce que j'ai pas envie que ça coule au niveau de mon pansement dans mon dos, dans ma nuque, parce qu'en fait c'est au niveau de l'épaule, c'est là. Donc c'est assez proche des cheveux. Et ça mousse déjà beaucoup. C'est dingue. Ah, c'est agréable aussi. Je sais pas comment vous exprimez ça, mais... Est-ce que ça serait un peu apaisant au niveau du cuir chevelu? J'en sais rien. Ok, donc ça mousse, c'est agréable. Je pense qu'on peut remettre un tout petit peu d'eau pour voir. Est-ce que j'en fais un ou j'en fais deux de shampoing? J'en sais rien. Je vous dirai ça après rinçage si j'ai eu besoin d'en refaire un deuxième. Là, pour le moment, je trouve que ça mousse quand même pas mal. Et ça sent vachement bon. Ça, je ne voulais pas préciser, mais quand j'ouvre la petite boîte dans laquelle il y a tous les produits pour les cheveux Creux Hydvat, ça sent super bon. Donc un petit peu d'eau comme ça, voilà, histoire de bien réémulsionner le tout. Voilà, et donc là je vais rincer et je pense que je vais faire un deuxième shampoing, histoire de bien nettoyer mes cheveux parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas lavés. Et on se retrouve après pour la découverte de l'après-shampoing. Est-ce que sur l'après-shampoing, on va me dire « Eh, vous pouvez complémenter avec le masque ?» Je dirais « Ben non, je ne l'ai pas. » Écoutez, on verra bien tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le rinçage, le deuxième shampoing. Du coup, je ne vous filme pas le deuxième shampoing parce que c'est la même chose. On a vu que ça moussait bien, que c'était agréable, que ça sentait bon. Et puis, on se retrouve pour l'après-shampoing. Là, on verra la texture, l'odeur, est-ce que c'est pareil? Eh bien, il faut rester sur la vidéo pour le savoir. Bien, me voici de retour après avoir fait deux shampoings. Alors, il s'est passé quelque chose. Bon. Mes cheveux ont vachement dégorgé au niveau de la couleur semi-permanente. Est-ce que c'est le soin sans rinçage éclaircissant que j'ai mis? C'est toujours le même, le Castin Sun Kiss Gelé. Est-ce que c'est ce shampoing-là ou est-ce que c'est un mélange des deux? Je ne saurais pas vous dire. Par contre, mes cheveux sont très rêches, je le précise. Donc je pense qu'il est grand temps de mettre de l'après-shampoing. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet après-shampoing? Perfect Curl après shampoing. Donc au collagène toujours, pour cheveux pelucheux et bouclés. Je ne sais pas ce que veut dire cheveux pelucheux. Boucle souple. L'après shampoing Perfect Curl de Creux Hydvat nourrit intensément les cheveux bouclés et ayant tendance à frisoter et les rend faciles à démêler. Il y a intérêt parce que là, ça accroche. Tout en conservant de belles boucles élastiques, mais c'est magnifique,
contient du collagène et de l'huile d'orange. Ils ont marqué ça bizarrement, hein. Je ne sais pas si c'est de l'orange ou si c'est autre chose. Bref. Pour des boucles brillantes, flexibles et faciles à discipliner, après le shampoing, répartir l'après-shampoing sur l'ensemble de la chevelure, laisser agir une à deux minutes et ensuite rincer abondamment. Dis donc, il faut laisser agir. Est-ce que vous vous laissez poser vos après-shampoings? Moi, j'avoue que l'après-shampoing, je ne le laisse pas poser, sauf si je ne fais pas de masque. Et là, aujourd'hui, je ne fais pas de masque. Donc, on va laisser poser une à deux minutes. Ça ressemble à ça, hein, c'est une texture classique d'après-shampoing. Donc, c'est parti, surtout sur les longueurs. Mais moi, j'aime bien en mettre un petit peu. Je vais vous montrer où. C'est à cet endroit-là. Parce que là, j'ai des frisottis des fois aussi. Donc, c'est parti. Je masse bien mes cheveux. Alors, il faut bien masser hein, pour que ça se répartisse bien partout. Voilà. Bon, alors après, quand ils disent de laisser poser une à deux minutes, si on laisse poser un peu plus, c'est pas grave. Par contre, ouais, ça a l'air de pas mal démêler. Regardez-moi ça. Hein. Oh, les produits Creutzfeldt pour les cheveux, c'est vraiment... C'est dingue. Je comprends pas pourquoi ils ont quitté la France. Fallait venir à Valenciennes, vous auriez eu plus de clients, Creutzfeldt. Moi, j'y serais allé tous les deux jours. Voilà, donc, bon, au niveau des pointes, par contre, c'est pas encore ça. Hein. Je sens que c'est assez sec, mais après, on a encore le soin sans rinçage. Hein. Donc, moi, je vais laisser poser ça. Je vous annonce tout de suite que je vais pas laisser poser ça deux minutes. Oh non, je vais laisser poser ça un peu plus longtemps. Voilà, je colle mes cheveux comme ça, parce que c'est une texture assez épaisse pour de l'après-shampoing. Je me demande le masque quelle texture il a, parce que l'après-shampoing, il est assez épais. Donc, vous voyez, j'ai bien plaqué mes cheveux comme ça. Je vais laisser poser ça au moins 5 minutes. Je vais pas vous refaire un coucou, parce que vous verrez rien de plus. Hein. Ça va pas faire friser mes cheveux comme ça. Hein. Donc, je vais aller rincer. Et après, on se retrouve pour l'application du soin sans rinçage. On va également lire ce qui est marqué sur le produit soin sans rinçage. Et pour finir, après, eh bien, je laisserai sécher ça quelques heures et je reviendrai vous voir pour l'application de la mousse et vous montrer le résultat final. Bref, à tout à l'heure! Eh oui, je suis déjà là. Je vous ai dit à tout à l'heure, ça c'était de mon côté, mais pour vous, ça va plutôt vite. Bon, j'ai rincé mes cheveux, ça démêle super bien, mais alors moi, j'ai une petite question, là, un petit truc qui, bon... est-ce que ça va faire des boucles? Parce que, sérieusement, mes cheveux étaient très lisses après rinçage. Hein. Tellement bien démêlés qu'ils étaient très lisses. Alors du coup, je les ai même pas trop tripotés. Je les ai juste emballés dans ce petit bonnet microfibre pour vous montrer à quel point ils sont lisses. Regardez-moi ça. Ah, ils sont lisses, mais ça commence à faire des boucles. Ah ouais, mais en fait... Ah, alors ce serait uniquement les frisottis qui seraient partis. Attendez, attendez, là, on a un produit qui a l'air pas mal. Hein. Est-ce que je brosse ou est-ce que je brosse pas? Telle est la question. On va regarder si ça se démêle facilement. Parce que si je brosse trop, clairement, j'aurai pas de boucle. Non, il n'y a pas besoin de brosser. Regardez-moi ça. Vous passez vos doigts, les mèches se séparent. Par contre, là, mes cheveux sont un peu gorgés d'eau. Donc, je vais les sécher encore un peu avec une serviette. J'ai tout prévu. Oh là là, l'organisation, elle est tout prévue pour une fois. Voilà, donc vous voyez, pour le moment, ça fait quand même un peu lisse, hein. Mais on n'a pas mis le soin sans rinçage. Et surtout, bah, c'est super bien démêlé, quoi. Là, là, regardez, je prends une mèche, je la sépare, tout, ça va tout seul. Hein. Et ça, c'est bien, parce que les après-shampoings qui démêlent vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vais quand même un petit peu, du coup, les chiffonner comme ça et les presser pour enlever l'excès d'eau. Et en plus, eh bien, ça va, hop, un petit peu boucler. Comme ça, je fais tout tomber en même temps, c'est magnifique. Hop! Ah bah c'est du fait maison ici, hein. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Donc vous voyez, je les hop comme ça un petit peu. Je les presse en remontant pour enlever l'excédent d'eau. Je vais encore le faire. Hein. Donc ça c'était des serviettes microfibres qui se vendaient chez Action. C'est super bien parce que ça absorbe énormément d'eau. Après vous allez le voir, mes cheveux seront presque déjà complètement secs. Et c'est bien parce que en fait... Je ne vais pas utiliser d'appareil chauffant pour sécher mes cheveux. Donc, eh bien, il faut qu'il soit quand même assez essoré pour pouvoir mettre le soin sans rinçage. Sinon, ça coule. Hein, parce que si vous avez trop d'eau dans les cheveux au moment de l'application du soin sans rinçage, ça ne fonctionne pas. J'adore, hein, pour le moment. J'adore. Je vois que c'est en train de se dessiner petit à petit. Je vais refaire un coup de ce côté-là pour bien dessiner. Parce que je vois que... Hop, vous voyez, je regroupe mes cheveux et je presse comme ça dans une serviette. Il se passe quelque chose et j'ai pas encore mis le soin sans rinçage.
Bon, j'espère que vous allez voir quelque chose parce que là je filme en lumière naturelle. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais je pense que c'est le plus lumineux possible qu'il y a chez moi, mes éclairages. J'en ai essayé des éclairages pendant ma carrière de youtubeur, à chaque fois c'est la même chose, je trouve que c'est pas assez puissant, et pourtant j'en ai des watts. D'ailleurs, les factures d'électricité s'en font ressentir. Bref. Perfect Curl, crème boucle, cheveux pelucheux et bouclés, contrôle et flexibilité des boucles. La crème boucle Perfect Curls de Kruidvat est spécialement formulée pour les cheveux bouclés qui ont tendance à frisoter et nécessitent des soins supplémentaires. Contient du collagène pour des boucles brillantes, flexibles et faciles à discipliner. La crème de soin intense offre une tenue durable aux boucles et évite la formation de frisottis en journée. Ah, donc c'est pareil, c'est l'histoire d'une journée comme l'autre. Mais c'est bien, parce que du coup, toute la journée, vous avez des belles boucles. Pénètre rapidement, sans graisser, les cheveux. Alors, j'ai déjà remarqué ça avec le Sun Silk. C'est vrai que vous pouvez en mettre beaucoup, ça ne graisse pas les cheveux, ça c'est cool. Évitez tout contact avec les yeux, utilisé sous la supervision d'un adulte. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser chez les enfants, puis aussi des cheveux bouclés. Bon, c'est parti. Hop, on va d'abord en prendre un petit peu. C'est un gros petit peu, vu le peu de cheveux que j'ai. Mais pour moi, c'est un petit peu. Et je vais appliquer ça pour voir. Alors, au niveau odeur, attention. Ça sent bon. Ouh, que ça sent bon. Et donc, c'est parti. Je chiffonne mes cheveux en remontant. Le but étant surtout pas d'appliquer ça sur les longueurs en lissant. Vous aurez compris que c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Si vous faites pas ce mouvement, et vous aurez pas de boucle. Il va de soi. Hop, application en cours. Je sens que je vais reprendre une petite goutte peut-être après, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'on va mettre de la mousse quand même. Mais j'aime pas mal le résultat pour le moment. Je vais voir si j'en ai encore beaucoup sur les mains ou pas de produit. Sinon, je vais reprendre une petite goutte. Ah ouais, non, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, messieurs, dames. Vous pouvez en mettre un de ce truc. Ah, pourquoi j'en ai acheté qu'un? Oh, mais je pense que je vais reprendre les vacances dans pas longtemps. De toute façon, ça, c'était pas des vraies vacances, là, que j'ai vécues. Donc, je pense que dans pas longtemps, je vais retourner à Kruidvat. Quand on sera hors saison, je retournerai sur la Côte d'Opale, j'irai à Kruidvat, je vais faire ma liste de courses. Faudrait que j'aille sur le site de Kruidvat belge, parce que là, vous avez tous les produits qu'ils vendent. Et comme ça, ça vous permet de faire votre liste à l'avance. Et puis quand vous allez, si vous allez en Belgique un jour, et vous demandez les produits que vous avez notés. Sachant que ils ont même les produits Make-up Révolution avec des testeurs. Oui, monsieur, dame. Alors j'ai toujours un côté qui ondule plus que l'autre. Là, les ondulations, c'est génial. Là, je vais retravailler un petit peu. En même temps, c'est le côté où j'ai mon épaule qui me fait mal, où j'ai mon pansement, donc je vais peut-être pas trop non plus insister. Voilà, avant que ça tourne à catastrophe. Donc là, j'en ai mis beaucoup, de ce soin, fameux soin, comme ça, sans rinçage. Hop, encore un petit peu ici quand même. C'est les mèches de devant qui ont plus de mal à boucler. Et donc voilà pour le moment ce que ça donne. Sachant que je vous l'ai dit, moi mes cheveux, après ils vont continuer à onduler naturellement. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose dans cette webcam. C'est même pas une webcam, c'est un caméscope. Est-ce qu'on peut faire une mise au point au niveau du cheveu? Peut-être que si j'appuie là. Ah oui. Pour la luminosité en tout cas. Bon, là c'est fort mouillé, donc forcément c'est raplapla. Mais normalement ça devrait gonfler. Et on verra bien ce qui se passe. Eh bien, dans quelques heures, puisque là, je vais laisser sécher ça naturellement. Je vais peut-être continuer de temps en temps, voyez, à refaire ça dans mes cheveux, pendant que ça sèche. Parce que là, j'ai pas d'embout spécial boucle, comme ça. Il est là. Normalement, on fait cet embout-là si on veut encore plus de boucles. Mais là, je peux pas, parce que j'ai mal à l'épaule et que ça commence à être la limite que je peux faire dans mes cheveux. Donc voilà, je vais peut-être, si mon épaule se repose un petit peu de temps en temps, vous voyez, re-chiffonner mes cheveux. Mais là, pour le moment, je trouve que c'est pas mal. Donc, on va laisser ça comme ça. Je laisse sécher quelques heures. Et je reviens pour l'application de la mousse, qui n'est pas de la même gamme. C'est Curls Bounce.
et puis pour voir aussi ce que ça donne, parce qu'on va quand même un petit peu passer un peigne et structurer ça, on va pas rester comme ça, je vous rassure. Bref, tout à l'heure, ou à tout de suite. Je suis de retour, et il y a eu du changement dans mes cheveux, c'est-à-dire que je les ai laissés sécher, et bien naturellement, sans y toucher. J'ai même pas réessayé de les chiffonner plus, parce que j'étais occupé, j'ai fait mon repas du midi, j'ai mangé, etc. Et ça a quand même vachement bien bouclé, frisé, appelez ça comme vous voulez. Je sais pas si ça se remarque bien à la caméra, de toute façon cette caméra-là, ce fond qui est de la même couleur que mes cheveux, non mais en vrai, le fond n'est pas du tout de la même couleur que mes cheveux. Bref, ça a fait des belles boucles, par contre, j'ai remarqué quelque chose, c'est-à-dire que ce soin là, sans rinçage spécial boucle de chez Kruidvat, ben, selon moi, c'est un mélange entre le boucle dompté de chez Sunsilk, qui est une crème qui donne des boucles, donc là ça donne des boucles, et le LCF Full Resist, qui est une crème de coiffage protectrice, c'est-à-dire que ça agit un peu comme un texturisant. Ben, vous mélangez les deux, vous avez ça. Parce que je trouve que par rapport au soin sans rinçage boucle dompté de chez Sunsilk, le premier que j'avais testé il y a très longtemps, on a un rendu qui est similaire niveau boucle, mais là j'ai les cheveux qui sont un peu fixé comme si j'avais mis de la laque. Vous voyez, avec celui-ci, on a les cheveux fixés, avec celui-ci, les cheveux restent souples, et du coup, les boucles, elles tiennent vraiment pas longtemps avec le Sunsilk. Moi, à chaque fois, je mettais une bonne dose de laque au-dessus pour que ça tienne. Alors, du coup, est-ce qu'au-dessus de ça, on a besoin de mettre la fameuse mousse de chez Kruidvat? Franchement, je suis pas sûr. Hein. On va déjà démêler un petit peu ça, parce que vous savez que des boucles, on ne les laisse pas comme ça, et on va voir si on met une toute petite dose de mousse, là, pour voir, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire. En tout cas, j'ai pris mon peigne. D'ailleurs, c'est celui à Monsieur Beauté en Herbe. Mais enfin, bon, c'est moi qui lui ai payé et il faudrait que j'aille en chercher un deuxième parce qu'il coûte vraiment pas cher. C'est le Santorcel Pro 301 202. Très bon peigne pour les cheveux bouclés. Et alors, c'est parti. Hop là. On va juste, hop là, tout doucement, détacher les boucles. Voilà, donc on va faire un petit peu en dessous aussi. Le but, là, ça va vraiment être de d'enlever cet effet un peu groupé aux cheveux hein, qu'on a à cause des produits. Et on a un joli volume qui se dessine. Hein. Après, vous pouvez brosser plus, vous pouvez brosser moins. Mais en plus, moi, j'ai l'impression vraiment qu'avec les petits reflets, la soleil que j'ai fait avec les soins éclaircissants, ça fait vachement joli. Je vais continuer ici. Alors, faut pas trop tirer. Hein. Voilà. Un petit coup derrière et on va s'arrêter là. Il faut surtout pas trop brosser. Si vraiment il y a une mèche que vous voulez récupérer, vous la séparez des autres. Voilà. Hop. Bon, je vais encore faire un petit coup ici quand même. Waouh. Eh. Oh, c'est dingue. Hein. Je suis waouh. Je suis waouh. Est-ce que je préfère ce soin-là au Sunsilk boucle dompté? Franchement, ouais. Je vais pas vous mentir. Là, vous voyez, quand je brosse les ondulations, les boucles, ça part pas. Hein. J'ai un volume de dingue. J'ai un volume de dingue avec des belles ondulations. Que vous dire de plus? Je peux pas dire grand-chose de plus. Hein. C'est juste magique, magnifique. Je sais pas si vous voyez là, mais là, par exemple, j'ai des mèches qui ont en plus eu un effet lumière avec les soins éclaircissants. Je vais essayer de zoomer là-dessus pour voir si la caméra arrive à mieux vous filmer. Mais là, j'ai des jolies boucles hein, avec un effet lumière. Ici, vous voyez, on voit. Et franchement, bah voilà quoi. Ah, là, on les voit bien. Vous voyez l'effet que ça donne dans les cheveux? J'ai pas mis de bigoudi, j'ai pas utilisé d'appareil chauffant, j'ai pas fait tout ça. Hein. Hop! Parce que toi-même, tu sais, je peux pas en ce moment. Je peux pas lever ce bras-là et puis d'une seule main, faire des poses comme ça, c'est compliqué. Et voilà l'effet que ça donne. Alors, moi, comme je suis là pour tester, comme je suis téméraire, je vais mettre un petit peu de mousse. Bah ouais, parce que on va la tester la mousse et puis voir qu'est-ce que ça donne si on rajoute un petit peu de mousse. Mais avant quand même, je vais faire une raie de côté. Alors, on va voir, hein, j'ai un peigne à queue, mais j'ai aussi ce fameux la peigne Celpron qui est une marque pro, qui est vachement bien. Donc, on va voir si avec celui-là, j'arrive à séparer des mèches pour les mettre sur le dessus comme ça. Voilà. Ah, on va peut-être y arriver. Peut-être y arriver. Petite mèche comme ça. Alors, vous voyez, ça donne du volume. Cette gamme-là, de chez Kruidvat, si vous manquez de volume et que vous avez envie d'un petit effet comme ça, boucle,
retour de plage, c'est la gamme qu'il vous faut. Voilà. Ouh, c'est magnifique, j'adore. Et c'est facile à faire parce que vous voyez, finalement, j'ai juste appliqué des produits. J'ai attendu que ça sèche sans y toucher. Et voilà, alors il faut juste bien sûr... Oula, mauvais peigne. Bien appliquer les produits. Bon là, j'ai juste séparé cette mèche qui est très jolie, mais qui ne va pas avec le restant de la coiffure. Voilà. Et donc moi, ma question c'est, est-ce qu'on peut raviver des boucles? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette mousse? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la mousse? Danger, aérosol extrêmement inflammable. Il n'y a pas de mode d'emploi, s'il vous plaît. Mis à part les boucles définies avec plus de ressorts. Styling mousse. Et on nous dit que c'est force presque au maximum. Là, vous voyez, il y a un petit indicateur rose et zut, il va presque jusqu'au bout. Bon, écoute, on va mettre un peu de mousse. Hein. Si ça me permet de garder mes boucles plus longtemps, pourquoi pas. Alors, on va agiter. J'en prends un tout petit peu, par contre. Voilà, il y en aura bien assez. J'ai peur d'en mettre trop et que ça saccage ma coiffure. Je vais répartir ça dans mes deux mains. Alors, vous voyez. Tiens, ça sent pas pareil que l'autre produit, mais ça sent bon aussi, ça. Vous voyez, c'est pas la même gamme. Oh, ça sent fort. Hein. Ok, je répartis ça sur mes deux mains. J'essaye de faire 50-50. Et c'est parti. Je vais cruche comme ça. Comme j'ai fait au tout début, en fait. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, ça va regrouper les boucles, hein, je pense. Le truc, c'est ça. C'est que ça va regrouper les boucles. Peut-être qu'après, du coup, il faudra une deuxième fois les reséparer avec un peigne. Mais enfin, je vous le dis, hein, moi, j'ai été surpris parce que le soin sans rinçage de chez Kreutzwaht, si vous voulez, il fait déjà un peu le travail de la mousse. C'est-à-dire que c'est déjà un petit texturisant fixant. Hein. Ah, quoique. Oh, j'aime bien aussi avec un petit coup de mousse. Alors, ça regroupe un peu les boucles. Mais ça donne un effet différent. Ouais. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal avec de la mousse aussi. Reste à savoir si finalement je préfère l'effet précédent. Je pense que je peux de nouveau l'obtenir en passant un coup de peigne une fois que la mousse sera sèche. Hein. Ou si je préfère l'effet un peu plus groupé comme ça. Bon, bah vous me direz en commentaire vous ce que vous préférez. En tout cas, les produits Kreutzwaht pour les cheveux, c'est hyper validé. Hein. La question se pose même pas. Hein. On valide. Je vais essayer quand même de passer un petit coup de sel prompt là. Il est où le sel prompt? Faut pas le perdre. Ah, clairement, non, il est juste là. Si je perds ou je casse ce peigne, je vais en entendre parler parce que c'est le peigne préféré à Monsieur Botternerme. Et pourtant, il n'a pas de boucle, hein, mais aussi pour faire les raies de côté et tout, il va super bien. Donc j'ai envie quand même de, hop, un petit coup comme ça. Léger avec la mousse pour que mes cheveux soient moins groupés. Voilà, un petit coup là derrière. Oh, c'est trop bien. Ah oui, alors la mousse, elle donne aussi bien du volume. Ouh, bah dites-moi, vous avez la chance les Belges d'avoir ce genre de magasin chez vous. Les Belges, et puis si vous me suivez aussi du Pays-Bas, hein. Néerlandais, les Néerlandais ont de la chance aussi. Parce que franchement... Ça fait partie de mes boutiques comme ça, de drugstore, on pourrait dire, parce qu'ils vendent pas que de la cosmétique, mes préférés. Hein. Kreutzwaht, voilà. Voilà ce que l'on obtient. Bah écoutez, moi je suis enchanté, je vais arrêter de lever les bras en l'air, là, ça m'évitera de fatiguer mon épaule, qui n'est en plus plus du tout musclée, forcément, puisque je la bouge pas depuis 4 semaines, donc dès que je fais un effort, c'est compliqué. Dites-moi ce que vous pensez du résultat. Bon, c'est sûr que moi au-dessus, j'ai pas de cheveux. Cette mèche-là, il faudrait peut-être l'aplatir un peu plus. Mais c'est pas le sujet du jour, hein. Je vous rassure. Hein. Moi, je vais pas bouger de chez moi. De toute façon, je peux pas faire grand-chose en ce moment. Voilà. Le sujet du jour, c'est est-ce que la gamme Perfect Curl de chez Kreutzwaht fonctionne? Réponse, oui. Ça fonctionne, et ça fonctionne même bien. Voilà, bon, après, on peut encore chipoter. Ouais, je sors pas, vous voyez. Comprenez bien que si je sortais, j'aurais mis un petit peu de lac en plaquant cette mèche-là. Là, j'aurais essayé de faire ressortir un petit peu en crêpant la base. Mais là, on n'est plus sur est-ce que Perfect Curl fonctionne. Là, on est sur du plaçage de mèche avant une sortie au restaurant ou en boîte. Chose qui n'est pas là d'arriver. Bref. Dites-moi si vous connaissez les produits Kreutzwaht. Dites-moi si vous avez testé les autres gammes. Par exemple, on va peut-être tester un jour quand même. Kératine, Argan Oil,
parce que là aussi j'ai du shampoing kératine et tout ça. Et bah, ça me permettra de voir ce que ça fait dans les cheveux. Mais là moi en tout cas je suis enchantée. Alors j'espère que ça va tenir. J'espère que ça va tenir un minimum. Parce qu'effectivement, ben je vous le dis, je lave rarement mes cheveux. Donc si ça pouvait rester comme ça avec un petit peu de boucle, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, et bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, à votre tour, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications, puisque je vais essayer de faire une vidéo assez rapidement, ça sera mes produits terminés. Bon, je reprends mes vidéos tout doucement, écoutez, j'ai toujours une mèche dans l'épaule, mais si... voilà, on va pas s'arrêter de vivre, parce que là, ça fait trop long, quoi. Ça commence à faire long, donc produits terminés comme prochaine vidéo, peut-être après du maquillage. Aujourd'hui, clairement, ça aurait été un jour où j'aurais pu faire du maquillage, parce que mon épaule me fait pas trop mal, mais attendez, hein. On va voir le contre-coup après avoir fait cette vidéo. Là, c'est l'adrénaline, là, c'est l'excitation, c'est la joie des produits dans mes beaux cheveux et tout. Mais peut-être qu'au soir, je vais être là en PLS. Donc bon, on verra. Mais je pense que je vais refaire du maquillage. Et puis du coup, je vais faire un reverse liner, underliner, reverse cat eyes. Ça a plein de noms différents, ce truc-là. L'underliner, bref. On va tester ça dans pas longtemps, puis ça me fera du bien de me remaquiller. Donc pour ne pas manquer ces prochaines publications, abonnez-vous. Surtout que là, on est vraiment bientôt arrivé aux 70 000 et peut-être pour la rentrée, il y aura une FAQ, qui sait. Mais écoutez-moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.